La mort, tout le monde y pense vraiment. C'est une tragédie à laquelle nous serons tous confrontés. Le 23 décembre 2000, c'est le jour que ses parents fêtaient la naissance de leur deuxième enfant. Il est né normal et a grandi normalement. Il n'était pas une personne qui tombait facilement malade. Mais au début de cette année 2021, quelque chose est arrivé. Quelque chose qui allait finir par briser le cœur de beaucoup de personnes. Cela a commencé comme une éruption cutanée sur la bouche. Les parents ne l'ont pas trop considéré. L'éruption cutanée a enflé et a continué à gonfler et s'est transformée plus tard en une tumeur. Les parents avaient maintenant peur et ont alors décidé de l'amener dans différents hôpitaux. Il dit que c'était en janvier dernier. Il était à l'école, mais pendant qu'il étudiait, il a remarqué qu'il avait un petit bouton sur la bouche. Le bouton était pour lui un bouton ordinaire, mais après, il est devenu de plus en plus gros. Il a été scanné et la recherche a montré qu'il avait une tumeur à la bouche. La situation du garçon a commencé à empirer. La bouche gonflait jour après jour, mais plus tard, il a eu avec succès sa première opération. La situation s'est calmée un peu et il pensait qu'il allait guérir, mais cela n'a pas pris trop de temps, jusqu'à ce que la bouche recommence à gonfler. Nous avons rendu visite à ses parents, c'était notre première visite, et sans vous mentir, c'était terrible. Chaque personne qui voyait ce garçon avait peur que tôt ou tard les parents perdent leur garçon. Ça devenait effrayant, les parents ont commencé à avoir peur de perdre leur deuxième enfant. Il a été traité, mais le processus de traitement a nécessité beaucoup d'argent. Alors ils sont retournés dans leur village et attendent qu'un miracle se produise. C'est ainsi que l'état de santé de ce jeune garçon va devenir pire, jour après jour. Les parents perdaient espoir, mais ils continuaient à se battre. Quant à la bouche, elle continuait de gonfler de plus en plus. Personne ne pouvait différencier sa bouche de son nez. Il pouvait à peine respirer. La douleur qu'il ressentait était insupportable. Une campagne a été rapidement mise en place et nous avons dû remettre cet argent pour le traitement. Nous l'avons trouvé dans cette situation, mais ça allait de pire en pire. À ce stade, les parents pensaient avoir plus de chances de perdre leur garçon plutôt que de le voir revenir à la normale. Mais le processus de traitement a continué. Il a été transporté à l'hôpital et le traitement était en cours. Le 15 août 2021, le pire de tous est arrivé. Le jeune garçon a rendu son dernier souffle. Il était environ 20 heures lorsque nous avons entendu la nouvelle. Nous avons dû rapidement commencer le voyage cette nuit, puisque la famille était située très loin. Et le retard signifiait que nous allions manquer les funérailles du garçon. Le garçon a dû être enterré le jour suivant. Arrivé à la maison le matin, tout le monde était en deuil. On sentait la tristesse dans les yeux de tous.
Il était maintenant temps de lui dire au revoir. En passant dans l'église, tout le monde, y compris ceux qui ne l'ont jamais connu, ont été tous attristés par le décès de ce jeune garçon. C'est une grande perte pour la famille, l'église et tout le monde en général, parce que le jeune garçon avait beaucoup de rêves à accomplir, mais maintenant il n'était plus de ce monde. Le pasteur a exhorté tout le monde à être fort, et leur a rappelé que la mort fait partie de la vie. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, comme il est écrit dans la Bible. Dieu essuiera toutes les larmes des yeux. La vie de chaque homme se termine de la même manière. Ce ne sont que les détails de comment il a vécu et comment il est mort qui nous distinguent l'un de l'autre. Et même si ce n'était pas facile dans un tel moment difficile, ses braves parents ont eu leur dernier mot à dire. Et tout ce qu'ils ont dit était de remercier Afrimax et tous ceux qui ont été là pour eux. Les amis et les familles les ont rendus plus forts. Nous savions qu'ils allaient utiliser tout ce qu'ils avaient pour le traitement du jeune garçon, mais nous ne pouvions pas venir les mains vides. Alors nous avons apporté quelque chose pour la famille, pour les aider à traverser ces moments difficiles. Ils vont maintenant prendre cet argent et ils vont commencer une petite entreprise. L'ensemble Afrimax remercie tous ceux qui ont prié pour le garçon et tous ceux qui ont contribué financièrement pour qu'il obtienne des médicaments. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si cela n'est pas encore fait. À la prochaine.